Voilà, merci infiniment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes, chers abonnés de Tut.ci. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce 32e webinaire de Tut.ci. Un webinaire assez particulier à cause du thème que nous allons développer tout à l'heure. Un thème, vous le verrez, assez intéressant, assez singulier, assez particulier. Eh bien, il s'agit tout simplement de la lecture rapide. Alors, lecture rapide, à quoi est-ce que ça ramène? Qu'est-ce que ça inspire? Le terme de ce webinaire, c'est la lecture rapide. Quel impact sur sa carrière professionnelle? Donc, c'est assez étrange. Comment est-ce que la lecture rapide pourrait impacter notre carrière professionnelle? Comment est-ce que la lecture rapide pourrait influencer positivement notre leadership? C'est vraiment quelque chose à découvrir ce matin. Nous vous souhaitons encore une fois les bienvenus, chers abonnés, chers followers de Tude.ci. Et pour développer ce thème, nous avons un spécialiste en lecture rapide. Franchement, je vous le dis, c'est une notion que je ne maîtrisais pas jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que nous tous, nous allons bénéficier de ce webinaire-là. Et permettez-moi rapidement, mesdames et messieurs, de vous présenter notre spécialiste du jour. Alors, il faut savoir qu'il répond au nom de Lansiné Diabaté. Monsieur Lansiné Diabaté, il est déjà connecté. Nous allons le voir dans quelques instants. Exerçant dans le domaine de l'ingénierie informatique, son amour fou pour la lecture le mène à la recherche des meilleures techniques de lecture rapide au monde, ce qui conduit Monsieur Lansiné Diabaté à une formation spéciale en lecture rapide délivrée par Jim Quick, où il obtient une certification américaine. Donc, vous voyez, il y a une certification dans la lecture rapide. C'est dire l'importance de ce sujet. Il décide de mettre ce sésame à la disposition de tous afin de développer leur leadership. Car les leaders sont des lecteurs, a affirmé Jim Quick. Voilà. Et donc, voici la présentation de notre, une brève présentation hein, de notre spécialiste de ce jour, mesdames et messieurs. Nous allons le recevoir maintenant, si à la régie on est bon, à recevoir Monsieur Lansiné Diabaté. Il va apparaître tout de suite à l'écran. Voilà. Bonjour, DTM. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi et pour toute l'équipe de vous recevoir à ce 32e webinaire d'études.ci. Merci infiniment de répondre favorablement à notre demande. C'est un plaisir partagé. Merci de m'accueillir sur votre tribune et je transmets toutes mes salutations les plus déférentes à tout ce charmant public d'entrepreneurs, de cadres, de professionnels qui nous suivent ce matin. Vraiment un Merci. plaisir. Merci infiniment. Alors, nous allons écouter dans un premier temps Monsieur Lansiné Diabaté. C'est vrai que j'ai fait une présentation, mais je pense que ce n'était pas une présentation assez complète. Donc, Monsieur Lansiné Diabaté va se présenter dans un premier temps. Et j'aimerais dire à nos abonnés, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent ce webinaire-là, que vous pouvez, en suivant le développement, l'explication de Monsieur Lansiné Diabaté, poser vos questions, laissez vos questions en commentaire. Et voilà, on se fera le plaisir de la transmettre à Monsieur Diabaté et qui lui prendra plaisir également à répondre à toutes vos questions. Monsieur Lansiné Diabaté, si l'on vous demandait de vous présenter, quelle serait la teneur de vos propos? C'est toujours difficile de se présenter soi-même, mais si je peux me présenter en quelques mots, c'est de révéler trois grands aspects qui jalonnent un peu ma carrière professionnelle. À la base, je suis diplômé en ingénierie informatique et dans ce cadre, je suis président, directeur général d'un groupe qui s'appelle le groupe Bleu Noir, qui est représenté dans 4 pays en Afrique. Et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est système de pointage. D'un autre côté, je suis également consultant auprès du ministère de l'Éducation nationale, notamment auprès de la direction des études, des statistiques et de la planification, ainsi qu'auprès de la direction des examens et concours.
Et troisièmement, je suis maintenant un super lecteur et j'ai ce cabinet Super Lecteur Côte d'Ivoire avec lequel nous essayons cette fois-ci d'impacter beaucoup plus dans le domaine du livre, de la lecture. Et nous espérons que nous allons pouvoir changer quelque chose de fondamental. Vous savez ce que c'est, monsieur l'animateur, c'est que les gens disent que lorsqu'on veut cacher quelque chose aux Africains, il faut cacher cette chose-là dans les livres. Ouais. Et nous, nous voulons travailler à faire en sorte que les gens aillent cacher ces choses-là ailleurs. Parce que nous, les Africains, nous serons de bons lecteurs et nous serons tout simplement amoureux du livre. C'est cet objectif que nous poursuivons avec notre cabinet. D'accord, merci infiniment. Merci pour ce travail énorme. Lire, c'est, comme vous l'avez dit dans votre présentation, le lecteur, c'est le leader. Voilà, de toute façon que vous nous avez fait parvenir. Alors, monsieur Lansine Diabaté, DTM, qu'est-ce que ça veut dire? Un DTM, c'est une distinction dans le domaine de Toastmasters International, qui est une autre organisation qui forme en art oratoire et en leadership. Et DTM signifie distingué Toastmaster. D'accord. Dans le niveau de formation à Toastmaster International, c'est une distinction. Et c'est cette distinction à laquelle je rends hommage en l'affichant toujours à côté de mon nom pour dire que je suis aussi fier de cette organisation qui fait de belles choses pour les jeunes leaders, pour les cadres également, en matière d'art oratoire et de leadership. Ben nous également, nous sommes très fiers de vous avoir avec nous ce matin, DTM. On va vous laisser dérouler votre présentation et on va vous suivre scrupuleusement avec beaucoup d'attention. Et je vais demander à tous ceux qui nous suivent actuellement de bien vouloir noter leurs questions. À la fin de la présentation de M. Lansine Diabaté, on aura tout le loisir de lui poser toutes nos questions. Voilà. Donc, je rappelle le thème de ce webinaire, la lecture rapide, quel impact sur sa carrière professionnelle. Monsieur Lansine Diabaté, nous vous écoutons. Merci beaucoup. La lecture rapide, quel impact sur la carrière professionnelle? Nous allons voir. L'objectif de cette formation, j'espère que mon PowerPoint est bien visible au niveau de la communauté. Oui, nous voyons bien le PowerPoint. L'objectif, c'est surtout de comprendre l'impact de la lecture rapide dans la réussite professionnelle. Et pour pouvoir comprendre cet impact de la lecture rapide dans la réussite professionnelle, nous allons dérouler cette formation suivant un plan à deux volets. Nous allons parler dans un premier temps de la lecture rapide et des généralités qui tournent autour de cette notion. Et dans un deuxième temps, nous verrons les éléments dans la pratique de la lecture rapide qui impactent positivement le lecteur en milieu professionnel, qui vont l'aider à créer de l'impact dans son milieu professionnel. La lecture rapide et les généralités. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que mesdames et messieurs, lorsque vous lisez peu efficacement, en réalité, votre livre se moque de vous. Vous ne le voyez pas, mais en cachette, il a quelques petits sourires, il se moque de vous. Vous avez par exemple un livre de 100 pages et ce livre, vous allez traîner avec ce livre, vous allez le lire en un mois. Donc le livre, il est content, il se dit « mais tiens, il n'a peut-être pas compris encore le monsieur et il me traîne pendant plusieurs semaines. » Là où vous pouvez le lire très rapidement. Donc le livre se moque de vous, mais vous ne savez pas. Deuxième chose, c'est que lorsque vous lisez peu efficacement, en réalité votre cerveau vous déteste un peu plus. Parce que le cerveau lui-même, dans son fonctionnement, aime lorsqu'on lit efficacement. Donc, lorsqu'on lit peu efficacement,
il a tendance à considérer qu'on le sous-estime et donc il va détester le lecteur. Et cela amène une question, c'est de savoir que signifie lire peu efficacement. Lire peu efficacement, c'est simplement lire sans vitesse ou lire sans atteindre le minimum de vitesse conventionnelle qui permet de dire et de confirmer que vous êtes un bon lecteur. La plupart des personnes lisent à une vitesse de 250 mots par minute. Mais il faut savoir que pour que votre cerveau soit content, pour que le livre commence à moins se moquer de vous, vous devez lire à une vitesse minimum de 400 mots par minute. En ce moment, on parle de bon lecteur. À partir de ces éléments, on pourrait utiliser quelques illustrations pour que vous essayiez de savoir si actuellement vous lisez peu efficacement ou pas. Alors nous allons voir 4 schémas et lorsque je vais décrire ces schémas, vous aurez la latitude d'écrire dans le chat si vous vous retrouvez dans l'un des schémas évoqués ou pas. Si vous vous retrouvez dans l'un des schémas évoqués, alors sachez que vous devez retravailler votre technique de lecture. Le premier schéma, ce sont les personnes, lorsqu'elles utilisent leur livre, donc lorsqu'elles sont en train de lire, elles perdent tout de suite leur concentration. C'est très difficile d'être concentré lorsque nous avons un livre dans les mains. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, que vous estimez que lorsque vous êtes en train de lire, vous perdez vraiment continuellement la concentration, alors vous êtes un lecteur peu efficace. Deuxièmement, c'est qu'il y a des personnes, lorsqu'elles lisent, elles vont pour un livre de 100 pages prendre des notes sur près de 10 à 15 pages. Donc, ce sont des personnes qui vont recopier quasiment tout le livre. Donc, si vous vous retrouvez dans cette catégorie de personnes qui prend des notes, qui fait que remplir des fiches en lisant un livre, alors sachez que vous êtes dans la catégorie des lecteurs peu efficace. Vous devez retravailler votre vitesse de lecture. Troisièmement, il y a des personnes, lorsqu'elles lisent, elles vont revenir en arrière. Elles vont lire 2 lignes, elles vont remonter 2 lignes en arrière. Elles vont lire un mot, elles vont relire en arrière. Et c'est cette attitude de revenir continuellement en arrière, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, il faut savoir que vous lisez peu efficacement. Et la dernière catégorie, ce sont ces personnes qui lisent un livre et 5 minutes ou 10 minutes après, elles ont tout oublié. Elles sont obligées de lire, de relire les mêmes livres et finalement, on ne progresse pas puisqu'on est dans le même domaine de compétences dans notre lecture. Et ces personnes qui ont ces problèmes de mémorisation, qui ont cette incapacité de retenir durablement les informations contenues dans leurs livres, sont également dans la catégorie des lecteurs peu efficaces. Donc, vous voyez que nous sommes nombreux à être parmi les lecteurs peu efficaces. Et donc, il y a urgence de modifier cette attitude en travaillant sur nos techniques de lecture. En clair, si on veut se référer à la lecture rapide et à la lecture elle-même, il faut savoir qu'en réalité, il y a 7 composantes importantes à travailler. Quand vous êtes en train de lire, vous devez être capable de remplir le premier critère qui est l'identification. L'identification, c'est votre capacité à comprendre la langue dans laquelle le livre est écrit. Naturellement, vous ne pourrez pas être à l'aise avec un livre en anglais si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, ce premier critère, je pense que tout le monde arrive quand même à identifier la langue du livre qui se trouve entre leurs mains. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation chez le lecteur, c'est sa capacité à capter beaucoup plus d'informations en une fraction de seconde. On a des lecteurs qui vont capter juste un « le » ou un « la » ou un seul mot en une fraction de seconde, alors qu'il y en a d'autres qui sont des lecteurs rapides qui peuvent vous capter plusieurs mots, des groupes de mots
certains vont vous capter une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes et même cinq lignes en une fraction de seconde. Donc on parle de la capacité d'assimilation. Troisième composante de la lecture, c'est ce qu'on appelle la compréhension interne. Lorsque vous lisez un livre, est-ce que vous êtes capable de comprendre au moins ce que l'auteur est en train de vous dire? Ça demande un certain niveau de compréhension minimum. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que l'auteur est en train de vous dire, alors il y a un problème. Quatrième élément, c'est la compréhension externe. Est-ce qu'en lisant, vous confrontez ce que vous lisez avec vos connaissances déjà acquises? En clair, est-ce que vous faites de la lecture active ou de la lecture magistrale? Donc, le lecteur rapide, c'est la personne qui va plutôt faire de la lecture active, donc qui sera dans un échange avec le contenu du livre, et cela permet d'avoir de l'avantage en ce qui concerne la vitesse de compréhension que nous allons voir certainement plus tard. Cinquième élément, c'est la mémorisation. Quand vous lisez, est-ce que vous êtes capable de mémoriser certaines informations? Ensuite, sixième critère, c'est la récupération. Quand vous mémorisez l'information, est-ce que vous travaillez sur les critères de récupération? Parce que, au moment où on vous pose une question sur ce que vous avez lu, vous ne savez pas comment récupérer l'information dans votre mémoire. Et en lecture rapide, nous travaillons cette compétence. Et la dernière composante de la lecture ou de la lecture rapide, c'est la communication. Cette capacité qu'a le lecteur à transmettre ce qu'il a appris dans le livre aux autres. Cette capacité de retransmettre la chose s'appelle la communication et elle est importante également pour être un lecteur efficace. Vous n'êtes pas efficace, vous ne pouvez pas retransmettre ce que vous avez lu. Donc, vous voyez un peu, voici les sept composantes de la lecture. En lecture rapide, nous, les lecteurs rapides, allons travailler beaucoup plus l'assimilation. C'est pour ça que l'assimilation est marquée en vert foncé. Donc, nous allons travailler notre capacité à capter beaucoup plus d'informations en une fraction de seconde. Comme ça, celui qui lit un mot en une seconde et nous qui pouvons lire trois lignes ou quatre lignes en une seconde, naturellement, nous n'aurons pas le même temps de lecture. Pendant que l'autre lira un livre de 100 pages peut-être en une journée, nous pourrons lire un livre de 100 pages peut-être en 10 ou 15 minutes. C'est pour cela que les lecteurs rapides sont focalisés sur l'assimilation. Mais voyons un peu plus près ce concept d'assimilation. Lorsque nous lisons, nous captons de la lumière à travers notre pupille. Vous savez que derrière donc les yeux, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la macula, il y a ce qu'on appelle la rétine. Donc, lorsque notre pupille va absorber de la lumière, il y a une partie de cette lumière qui est beaucoup plus centrale, qui va aller du côté de la macula, et il y a d'autres éléments qui vont être traités par la rétine. Et toutes ces informations, à travers le nerf optique, vont rejoindre une partie du cerveau qu'on appelle le lobe occipital, qui va traiter l'information et vous permettre de comprendre ce que vous lisez. Donc, la plupart des mauvais ou des lecteurs peu efficaces vont capter très peu de lumière à travers leur pupille et donc le cerveau va travailler, si vous voulez, à faible régime. Et le lecteur rapide ou le super lecteur, lui, va travailler sa capacité à capter plus de lumière à travers sa pupille et surtout à mettre en place les éléments qui vont permettre au lobe occipital, au cerveau, de pouvoir interpréter cette grande quantité de lumière qui arrive en une fraction de seconde, de sorte à ce que vous captez plus d'informations et dans le même temps, votre cerveau est capable d'interpréter toutes ces informations et vous donner la vitesse de compréhension nécessaire. Et naturellement, lorsque vous évoluez avec une telle vitesse, vous n'allez pas pouvoir prendre des notes. Donc, remplis plusieurs fiches. En ce moment, la mémorisation va intervenir pour vous permettre de mémoriser certaines informations clés et d'aller beaucoup plus vite. Vous aurez alors qu'à coucher que des éléments de synthèse sur votre fiche de prise de notes. Donc, vous voyez un peu,
Si on entre dans le domaine optique, comment est-ce que le lecteur rapide se transforme et alors permet d'aller plus loin au niveau des performances? Cette capacité de couplage entre l'œil et le cerveau, que nous appelons le couplage œil-cerveau, est la clé pour lire extrêmement vite. Et c'est ce que nous travaillons lorsque nous faisons nos ateliers de lecture rapide. Alors maintenant, une fois qu'on a compris cette première partie, on aimerait bien savoir alors, en pratiquant la lecture rapide, quels sont les impacts qu'on peut avoir en tant qu'un travailleur dans notre milieu professionnel. Comment est-ce que cette lecture rapide se reflète positivement, directement dans notre environnement de travail? Première chose, c'est que lorsque vous êtes un lecteur rapide, vous êtes capable de lire jusqu'à 400 pages en 2 fois 30 minutes. Donc cette capacité de lire rapidement et d'assimiler les informations vont permettre aux travailleurs, aux professionnels, de développer davantage ses connaissances dans son domaine d'activité afin d'être beaucoup plus compétitif. Si vous prenez un comptable, par exemple, qui lit et un comptable qui ne lit pas, naturellement, le comptable qui lit des documents sur la comptabilité sera beaucoup plus compétitif parce qu'il a plus d'informations sur son domaine d'activité par rapport aux autres. Donc, dans un premier temps, c'est cette capacité de développer ses connaissances dans son domaine d'activité. Vous prenez un juriste, si le juriste est un lecteur rapide, naturellement qu'il va assimiler beaucoup plus de règles de droit par rapport à un juriste qui ne lit pas ou qui lit un livre tous les 2 mois. Donc ça, c'est un avantage stratégique pour le professionnel, cette capacité à lire beaucoup plus vite. Deuxièmement, lorsque nous pratiquons la lecture rapide, cela nous donne un pouvoir de nous octroyer l'image ou d'aller dans le sens que nous souhaitons en termes de développement de notre propre personne. Lorsqu'on a demandé à Elon Musk, qui fabrique des fusées spatiales, comment est-ce qu'il a fait ou où est-ce qu'il a appris cela, il a répondu: je lis des livres. Vous voyez comment en lisant des livres, on peut avoir de la perspective. Donc cette manière de lire rapidement permet aux professionnels de développer ses connaissances sur d'autres sujets afin d'être beaucoup plus agile dans l'exercice de ses fonctions ou de créer d'autres perspectives métiers. Et lorsque même vous prenez un manager qui est bon dans son domaine, peut transparaître comme un mauvais manager parce que il ne sait pas gérer une équipe, par exemple, ou bien parce qu'il ne sait pas motiver son équipe. Donc, il est focalisé sur son domaine d'activité, peut-être qu'il a la technique, il a une équipe, mais il ne lit pas vite, il ne lit pas de livres en développement personnel, il ne lit pas de livres en gestion des équipes, en motivation, et donc, il n'est pas agile en tant que manager. Alors que cette capacité de lire vite lui permettrait de lire tous ses livres, de changer un peu les thématiques, afin d'ajouter à cette compétence primaire qu'il a des compétences additionnelles qui lui permettent de pouvoir exercer ses fonctions beaucoup plus utilement. Donc cette capacité et cette flexibilité en ce qui concerne le développement des compétences est l'une des valeurs que la lecture rapide va octroyer aux professionnels. Troisièmement, lorsque vous faites de la lecture rapide, ça veut dire que vous devez aussi avoir une vitesse de compréhension et ce qu'on appelle une capacité de prédiction. Parce que quand vous prenez le livre, que vous commencez à le lire très rapidement, vous êtes obligé de comprendre, sinon ça risque de créer un effet secondaire. Donc celui qui travaille la vitesse de lecture et qui ne travaille pas sa vitesse de compréhension, en réalité n'est pas encore un lecteur rapide aguerri. Et cette capacité de créer et de travailler la vitesse de compréhension, c'est en réalité la rapidité, à partir de certains indices, de comprendre ce que l'auteur veut dire dans tel ou tel passage. Donc vous entrez dans un système où
Vous avez besoin de peu de mots ou de peu de choses pour comprendre ce qu'on veut vous dire. Donc, cette manière de travailler dans l'alliage vitesse de lecture et vitesse de compréhension avec la capacité de prédiction va développer chez le professionnel la proactivité. Il suffira qu'il ait quelques indices pour savoir que, ah, attention, demain, il risque d'avoir tel événement dans notre métier, il faut prévoir ceci ou cela. Demain, le cours du marché risque de basculer, attention, il faut peut-être miser sur telle ou telle chose. Cette capacité, lorsqu'on lui communique la vision managériale au sein de l'entreprise, de capter et d'entrer rapidement dans cette vision afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Généralement, c'est des personnes à qui vous n'allez pas trop expliquer les choses. Ces personnes comprennent vite. Et on a même un terme qu'on utilise pour les qualifier, c'est que ce sont des personnes smart. La lecture rapide permet donc de développer cette proactivité chez le professionnel parce que toujours au contact du livre, en fait, il ne lit qu'avec cette capacité d'être proactif qu'on appelle la prédiction. Lorsque nous faisons la lecture rapide, nous sommes obligés de sortir de notre zone de confort. On a appris à lire d'une certaine manière depuis le bas âge et on se rend compte que cette manière de lire n'est pas efficace à un certain niveau dans la société ou dans le domaine professionnel. Ou à un certain niveau d'âge, cette manière de lire n'est plus efficace. Mais je vous assure que pour devenir un lecteur rapide, sortir de cette zone de confort, ce n'est pas chose aisée. Et ceux qui arrivent à être des lecteurs rapides, qui arrivent à sortir de leur zone de confort, vont alors développer leur esprit de créativité et d'innovation. Parce qu'en réalité, la créativité ou le manque de créativité, le manque d'innovation, c'est lorsque nous nous approchons beaucoup trop à notre zone de confort. On a peur du risque, on a peur des terrains qu'on ne maîtrise pas. Mais quand le lecteur rapide a fini de dompter ses zones d'inconfort et qu'il a transformé ses zones d'inconfort en zones de confort, ça veut dire qu'en entreprise, il est capable de créer de l'innovation, de créer des choses qui n'existent pas, de remodeler les choses et il n'a pas peur de proposer ses solutions innovantes parce qu'il baigne tous les jours dans le livre, dans cette zone d'inconfort, dans cette zone de créativité. La lecture rapide va développer cela. Et moi, j'ai vraiment beaucoup développé mon esprit de créativité et innovation à travers la lecture rapide. Vous avez aussi dans la lecture rapide cette notion qui revient à tout moment. Le lecteur rapide, c'est un lecteur qui a le chrono dans la tête. Et le fait de travailler, de lire à chaque fois en ayant le chrono à l'esprit, ça lui permet de pouvoir cultiver dans le domaine professionnel le souci de gain de temps. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on perd beaucoup de temps, simplement parce que nous ne faisons pas attention au temps. Et le lecteur rapide étant une personne qui met au centre la gestion du temps, c'est quelqu'un qui ne va pas perdre du temps au travail, c'est quelqu'un, lorsqu'il sera en train de faire un travail, qui va le faire rapidement et proprement, qui va rendre ses rapports dans les délais, parce qu'il a une forte notion de la gestion du temps. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui impacte rapidement les lecteurs rapides en milieu professionnel. Vous avez aussi dans la lecture rapide le réveil de votre super cerveau. Oui, parce que pour lire vite, vous devez accélérer, vous devez travailler la communication œil-cerveau dont on a parlé plus tôt. Et donc, vous allez faire tourner votre cerveau à un régime beaucoup plus intéressant, donc au régime même que lui-même il apprécie. Donc pour quelqu'un qui travaille comme ça avec son cerveau, il va développer donc sa mémoire et va développer ses capacités cognitives en environnement professionnel. Vous savez que souvent, quand nous avons 22 ans, 23 ans, on se soucie peu de ces questions de mémoire, de la santé mentale et autres, mais quand nous prenons de l'âge, nous nous rendons compte que c'est très important. Et quand vous êtes en entreprise, par exemple, un haut cadre, que vous n'êtes plus trop dans l'opérationnel et que vous êtes sur le suivi des objectifs, le monitoring, etc., il arrive que si vous ne lisez pas couramment, vous soyez en baisse de régime en termes
de traitement des données, de l'information, la rapidité, la réactivité au niveau du cerveau. C'est prouvé par plusieurs études qui ont été menées et qui ont été publiées il y a de peu dans le Journal of American Medical Association. Vous allez voir cette corrélation entre la lecture et le développement ou la faiblesse des capacités cognitives. Et parfois même quand on lit beaucoup, cela peut nous permettre d'éviter des troubles tels que l'Alzheimer, la démence, etc. Donc voilà ce que la lecture rapide peut vous permettre d'avoir. Quand on prend de l'âge, qu'on n'est plus trop en activité, pour les professionnels qui sont peut-être pas loin de la retraite, en fait, nous ne sommes plus très actifs et notre cerveau va alors baisser de régime. Et quand nous sommes des lecteurs rapides, que nous sommes couramment dans la lecture rapide, ça nous permet, malgré notre âge de vieillesse, de rester actifs. Et quand on prend la parole ou quand nous intervenons sur des sujets, on sent que, attention, ben, on a en face de nous quelqu'un qui est encore très réactif. En environnement professionnel, vous avez aussi un autre élément qui est lié à la littératie. Lorsque vous faites de la lecture rapide, vous devez travailler avec la compréhension interne et la compréhension externe. Donc, vous devez comprendre ce que l'auteur essaie de vous expliquer et vous devez aussi confronter les informations avec ce que vous savez déjà sur le sujet. Et cette attitude d'interprétation, d'analyse, cette attitude d'esprit critique est très, très présent au niveau de la lecture rapide. Et pour le professionnel qui est constamment dans cet environnement-là, naturellement, il va développer son esprit d'analyse, développer son esprit critique. Et en ce moment, ce sont des personnes, des professionnels qui seront capables de prendre de la hauteur, d'évaluer un peu leurs actions, d'évaluer les résultats, de corriger les tirs, de réadapter les stratégies pour atteindre leurs objectifs. Parce qu'ils sont constamment dans l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Mais celui qui ne lit pas rapidement, ces éléments-là ne sont pas à la base de son activité de lecture. Il fait juste une lecture magistrale. En ce moment, la lecture n'aura pas donc d'incidence au niveau du cerveau, au niveau donc des performances cognitives, pour permettre à la personne de développer cette attitude-là qui est très importante en milieu professionnel. Surtout qu'aujourd'hui, nos CEO, ce sont des personnes qui préfèrent les travailleurs qui sont autonomes. Et un travailleur autonome, c'est un travailleur qui est capable de se prendre en charge. Et qui dit être capable de se prendre en charge, c'est être capable de faire aussi de l'analyse, de critiquer un peu les actions, de réadapter un peu les stratégies, etc., afin d'atteindre les objectifs. Lorsque nous pratiquons la lecture rapide, nous utilisons les techniques de concentration et d'immersion. Le lecteur rapide ne peut pas atteindre un certain niveau de vitesse, par exemple 800 mots par minute ou encore plus de 1000 mots par minute pour ceux qui ont la certification super lecteur. On ne peut pas atteindre ces niveaux de performance s'ils ne sont pas concentrés. Donc, on apprend en lecture rapide des techniques de concentration et d'immersion. On est plongé dans ce que nous lisons parce que nous lisons très vite et que nous devons comprendre tout ce qui est écrit et que nous devons lire pratiquement tout ce qui est écrit. Ça demande que nous soyons en immersion. Et le fait de rester constamment dans cette attitude de concentration et d'immersion quant à l'objectif de lecture va développer chez le travailleur la culture de la concentration sur les tâches qu'il a au bureau et d'éviter d'être éparpillé dans l'exécution de ces tâches. Aujourd'hui, certaines personnes sont vraiment éparpillées. Elles font mille et une choses à la fois. Finalement, on arrive en fin de journée et on ne sait pas exactement ce qu'on a accompli réellement au travail. Une chose à la fois, avec la concentration et l'immersion, on la termine correctement, on passe à une autre chose. Avec la concentration et l'immersion, on la termine proprement. Ainsi, nous pouvons contribuer beaucoup plus activement à créer de l'impact au sein de nos entreprises. Et lorsque vous prenez le livre The Deep Work de Cal Newport, il revient encore plus en profondeur sur cette notion de concentration et d'immersion
en corrélation avec les impacts que ça peut créer chez les travailleurs. Nous continuons de grainer les aspects positifs de la lecture rapide qui peuvent avoir un impact en milieu professionnel et nous arrivons sur la lecture rapide sur le genre narratif qui est un antidote au stress. Le genre narratif, c'est par exemple tout ce qui est roman. Donc, lorsque vous faites de la lecture rapide sur un roman, ça vous permet de réduire votre stress. Parfois, nous sommes dans des environnements professionnels qui sont très, 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 très difficiles. Et quand nous prenons notre pause, on a besoin de faire tomber ce stress. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de pratiques malsaines pour déstresser, nous, les professionnels. Et lire un bouquin pour déstresser, c'est une manière saine de déstresser. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par Sussex en 2009 qui estime que 68% de notre stress baisse drastiquement après 6 minutes de lecture rapide. Vous voyez? Donc la lecture rapide, ça vous permet de déstresser plus vite et plus proprement. Et je pense que c'est aussi utile pour le professionnel de savoir surtout que la lecture rapide peut l'aider à déstresser. En conclusion, ce que je peux dire pour résumer, c'est qu'en pratiquant la lecture rapide, on apprend à gagner du temps, on est créatif et innovant au travail, on est ouvert d'esprit et on devient une personne intéressante. J'ai connu quelqu'un qui, en entreprise, c'est la personne qui n'est pas intéressante. Vous êtes dans une discussion, elle n'a aucun avis. Vous parlez de tel sujet, elle ne connaît pas. Vous parlez même de l'actualité, elle n'en sait rien. Elle ne lit pas du tout. Et donc finalement, les gens s'ennuient en votre présence. Vous n'êtes pas capable même de faire une conversation sur aucun sujet. Et quand vous êtes un lecteur rapide, ça vous rend plus intéressant parce que vous êtes prêt. Vous n'êtes pas informé sur l'égalité du genre ou les questions liées au genre. Vous allez à une librairie, vous prenez 5 gros bouquins de 300 pages sur le sujet. En une semaine, vous avez fini de lire, vous êtes prêt. Vous voyez? Donc, ça vous permet au moins d'échanger lorsque vous êtes avec des amis sur ces sujets-là. Et ça vous rend intéressant. La lecture rapide vous permet d'être proactif et prédictif. Elle vous permet également d'être compétent et épanoui au travail. Et enfin, elle vous permet d'être concentré sur votre travail afin de produire des résultats concrets. Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise, si vous avez un collaborateur qui cumule toutes ses aptitudes et ses attitudes, naturellement, vous êtes heureux parce qu'on ne peut que produire du beau résultat lorsqu'on a de telles compétences. Monsieur l'animateur, je voudrais vous redonner la parole après donc cette conclusion qui ferme le rideau sur la première partie de cette présentation. Merci beaucoup à vous qui m'avez écouté. Et donc, monsieur l'animateur, vous avez la parole. Merci infiniment, monsieur, au DTM Lassiné Diabaté pour cette présentation de qualité, présentation au cours de laquelle nous en avons appris vraiment sur cette notion de lecture rapide. Alors, nous avons des questions qui sont déjà là, des personnes bienveillantes qui vous ont suivi avec intérêt et qui ont posé des questions. J'invite d'ailleurs tous ceux et toutes celles qui nous suivent de ne pas hésiter à poser leurs questions en commentaire et nous allons les présenter au DTM Lassiné Diabaté. Alors, monsieur Diabaté, nous avons Nyamou Honoré qui pose une question assez pratique et pragmatique. Il demande comment travailler la vitesse de lecture et de compréhension. Vous avez parlé des bienfaits de la lecture rapide et tout ça. Alors, comment est-ce que ça se fait pour une personne qui n'a jamais pratiqué la lecture rapide, aujourd'hui qui décide de se lancer dans cette pratique-là, comment est-ce qu'elle peut travailler la vitesse concrètement de sa lecture et de sa compréhension? Alors pour répondre à M. Nyamou, vous savez, la vitesse de lecture, c'est d'abord comprendre ce qui crée la lenteur dans la lecture.
Donc, lorsque nous faisons nos formations en lecture rapide, nous revenons sur ces notions-là. Et principalement, ce qui va vous retarder dans votre lecture, c'est ce qu'on appelle la régression. Le fait qu'à chaque fois que vous lisez quelque chose, vous revenez toujours en arrière. Et cette attitude de faire montre de régression pendant la lecture, une fois qu'on a pu corriger cela, déjà, ça peut nous aider à prendre de la vitesse. Deuxièmement, il y a des choses qu'on appelle la saccade. Donc, il y a des exercices qui vous permettent de savoir qu'en réalité, lorsque nos yeux ne sont pas guidés, nos yeux agissent par saccade. Donc, les yeux vont se promener un peu partout. Vous serez même en train de lire la première page, que les yeux même sont en train de regarder le texte qui se trouve sur la deuxième page et vice-versa. Donc, lorsque vous arrivez à éliminer cette attitude, donc cette saccade, vous prenez encore doublement de la vitesse. Et il y a plusieurs autres techniques comme ça. Et donc, en éliminant progressivement tout ce qui retarde, parfois vous allez voir même qu'il y a certains qui subvocalisent. Vous êtes en train de lire à haute voix, tranquillement. Alors, ce qu'on ne peut jamais, en lisant à haute voix, dépasser la vitesse à laquelle on s'exprime. Alors, vous savez que lorsqu'on s'exprime, c'est une vitesse maximum de 150 mots par minute, en moyenne. Donc, tant que vous lisez, que vous vous entendez, vous ne pouvez pas aller au-delà des 150 mots. Vous voyez qu'on est très loin des 400 mots par minute. Donc, il y a tous ces éléments que nous voyons au cours de nos ateliers. Nous les prenons individuellement et nous les travaillons. Et ça double, ça triple et ça quadruple facilement votre vitesse de lecture. Concernant la vitesse de compréhension, c'est également certains éléments qui altèrent la compréhension que nous allons travailler progressivement. Par exemple, pour donner un exemple, vous voyez, aujourd'hui, certains vont en librairie, ils achètent un livre, et puis paf, ils commencent à lire. Avec une telle manière d'agir, vous n'aurez pas une bonne vitesse de compréhension. Il y a des choses à faire avant, qu'on appelle la préparation du livre, et il y a pas mal de notions, et donc il faut travailler, et c'est avec tout ça qu'on va doubler notre vitesse de lecture, notre vitesse de compréhension. Donc voici D'accord. quelques pistes de solutions que je peux vous donner. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, on peut toujours poser nos différentes questions. Nous avons avec nous le DTM Lassine Diabaté qui nous éclaire sur la notion de lecture rapide. Alors, avant qu'on ne reçoive des questions de ceux qui nous suivent, monsieur Lassine Diabaté, j'ai une question. Alors, très souvent, il y a des gens qui ont des difficultés à ouvrir un livre et à garder le cap du début jusqu'à la fin. Donc, il y a très souvent un problème de concentration. Donc, la conclusion que les gens tirent, c'est que finalement, je n'aime pas vraiment la lecture. Pour la lecture, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Et donc, on ne s'aventure même plus à aller acheter des livres, à lire ces livres-là. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes de concentration? Merci beaucoup. En réalité, le problème de concentration, c'est en même temps le même problème concernant le goût de la lecture. C'est juste parce qu'on ne prend pas de la vitesse. Lorsque vous lisez lentement, vous serez toujours déconcentré. Il n'y a rien à faire. Donc, la première chose pour éliminer le manque de concentration, c'est de prendre de la vitesse. À cela, on peut maintenant ajouter des techniques spécifiques que nous voyons au cours de nos ateliers, qui sont des techniques de concentration, un peu comme la cohérence cardiaque et autres, qu'on va apprendre. Et il faut aussi maîtriser la notion même de concentration, parce que pour être concentré, il faut la réunion de deux éléments importants. Vous voyez, donc il faut de la stimulation et puis il y a une deuxième composante. Et lorsque ces deux composantes sont réunies, ça crée la concentration. Mais souvent, on se dit, ah, mais j'ai vu ce livre, mais le titre est intéressant. Paf, on commence à lire. Vous voyez? Donc, on lit avec une seule composante, on estime que le titre est intéressant. On n'aura pas de concentration. Il faut deux éléments. Est-ce que ça nous intéresse vraiment le sujet qui est développé? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc, c'est beaucoup plus profond. Et quand on est dans cette profondeur, en plus du stimuli, en ce moment-là, on réunit les conditions de la concentration
plus la vitesse, ça nous permet de pouvoir gagner du temps et ne pas revenir et ne pas être distrait. Voici quelques pistes de solutions que je peux vous donner. Il y en a toute une batterie, hein, beaucoup de nos ateliers pour y travailler. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. D'accord. Alors, je pense que vous aurez l'opportunité jusqu'à la fin de nous parler de ces ateliers-là que vous organisez pour aider les gens à pratiquer la lecture rapide. Monsieur Abdoul Fatahou Saleh a posé une question relative à la mémorisation, mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Frédéric Niaba, qui nous suit actuellement, nous pose la question suivante. Après vous avoir félicité DTM pour cette excellente présentation, Frédéric Niaba pose la question suivante. Quels sont les autres genres, à part le style narratif, quel est le style le plus approprié à l'apprentissage de la lecture rapide? Alors, nous savons, vous avez pratiquement 5 grands genres littéraires. Et la bonne nouvelle, c'est que la lecture rapide s'applique à tous les genres. Seulement, lorsqu'on commence à apprendre les techniques de lecture rapide, ce que nous conseillons, c'est de commencer avec un roman. Parce qu'on n'est pas encore, on ne maîtrise pas encore les techniques. Et donc, quand on commence avec un livre technique, c'est beaucoup plus difficile. Alors, si on commence avec un livre tel qu'un roman, on apprend beaucoup plus facilement à maîtriser les techniques. Ensuite, on peut basculer sur les autres genres littéraires. Donc, sinon, ça s'applique à tous les genres, qu'on soit dans le narratif, qu'on soit dans l'argumentatif, qu'on soit dans l'épistolaire, qu'on soit au niveau de la poésie ou encore au niveau du théâtre. La lecture rapide est toujours utile. Et même à nos ateliers, nous apprenons à nos différents participants de maîtriser les techniques de synthèse en fonction du genre littéraire. En fonction du livre que vous lisez, ce n'est pas la même technique de synthèse qu'on applique. Donc tout ça, ça aide à aller vite, à synthétiser les choses et à amorcer également la mémorisation de ce que nous lisons. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, je pense que Frédéric Niaba, vous avez bien compris et que le DTM a su répondre efficacement à vos questions. Niamou Honoré revient avec une autre question. Qu'est-ce qui explique qu'après lecture de plusieurs documents, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à retenir ou à maintenir le cap pour nos échanges futurs? Alors, j'ai lu 10 livres, mais en fin de compte, je me rends compte que la moisson est maigre parce que je n'arrive pas à partager toute la connaissance que j'ai pu découvrir dans un livre. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là? Monsieur Niamou a parfaitement raison, c'est un véritable problème parce que les gens vont lire et relire les mêmes livres parce qu'ils n'ont pas retenu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça part de notre technique de synthèse. Vraiment, les gens ne savent pas synthétiser la lecture. Il y a plusieurs techniques, d'ailleurs, qu'on apprend à nos ateliers. Il y a une technique, par exemple, qu'on appelle le mind map. Donc, si vous n'avez pas synthétisé un livre avec une forme de carte heuristique, vous ne pouvez pas amorcer l'étape de mémorisation et travailler sur les facteurs de récupération. Donc, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir mémorisé l'affaire, mais comme vous n'avez pas bien travaillé le processus, au moment où on vous pose la question, c'est difficile à récupérer. Et quand vous finissez, vous rentrez chez vous, vous dites « Ah, mais tiens, c'est maintenant que ça me vient !» Et c'est trop tard, vous avez une mauvaise presse. Donc, c'est vraiment de travailler sur cette technique de synthèse et puis la mécanique de mémorisation bien à travailler pour que vous puissiez récupérer votre information à tout moment. Alors, parlons de la mécanique de mémorisation, Monsieur Lassiné. Est-ce qu'on peut avoir deux astuces qui pourront nous aider à… Moi, je pense tout de suite à une astuce, je ne sais pas si elle est correcte. Celle de prendre note au fur et à mesure qu'on lit un livre, prendre note quelque part de ces passages-là assez forts qui pourraient nous intéresser plus tard. Est-ce que ce genre de technique-là pourrait nous aider à nous remémorer ce qu'on lit? Alors, pour plus mémoriser ce que vous lisez, ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas la chose que vous écrivez, mais c'est comment vous l'écrivez sur votre feuille. C'est surtout ça.
Et donc, il y a une manière d'écrire les informations sur la feuille, de les organiser, et de sorte que vous pouvez avoir une lecture d'un livre de 400 pages, mais que votre synthèse tienne sur une petite feuille A5. Vous imaginez? Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une manière de noter les choses. Et maintenant, en ce qui concerne la mémorisation, là où les gens se trompent parfois, c'est qu'ils confient la mémorisation de leur lecture à leur cerveau. Donc, ils se disent, bon, j'ai lu, ok, donc j'ai mémorisé. C'est une erreur. Parce qu'en réalité, pour bien mémoriser, ça doit être piloté, ça doit être volontaire. Vous devez dire, je veux mémoriser telle information. Et ensuite, vous appliquez la technique pour la mémoriser. Mais si vous dites, ok, bon là, tout de suite, je viens de changer, je connais le nom de l'animateur, ok, mais 10 minutes après, je peux oublier le nom parce que je n'ai pas décidé de la mémoriser. Donc, la mémorisation doit être d'abord volontaire, on ne confie pas cela au cerveau. Ensuite, il y a un processus, une manière de pouvoir de mémoriser. Encore faut-il, lorsque nous mémorisons, transmettre les informations dans notre mémoire longue durée, parce qu'il y a des personnes qui mémorisent, mais qui laissent l'information dans la mémoire courte durée. C'est clair que ça va disparaître. Donc, quand c'est dans la mémoire courte durée, il faut transférer l'information dans la mémoire longue durée. Ainsi, vous avez bien mémorisé et vous pouvez récupérer à tout moment. Donc, voici un peu quelques indices. On travaille beaucoup plus là en profondeur à nos ateliers, mais déjà, ça peut vous orienter sur ce qu'il faut faire pour ne pas oublier. D'accord. Parlons des ateliers. Nous avons Kojovi Diwonu qui pose la question suivante, Monsieur Marcelin Dematé. Comment participer à vos séances de formation, les lieux, la fréquence, comment ça se passe, quoi, confondir tout ce qu'on vient de découvrir, tout ce qu'on est en train de découvrir. Alors, est-ce que je peux dérouler un tout petit peu ce que nous faisons, ou alors je réponds à sa question pour participer à la séance, aux ateliers Super Lecteur, il faut juste vous inscrire via un lien qui se trouve sur notre page Facebook. Et dès que vous êtes inscrit, nous, derrière, les équipes commerciales vont vous contacter et valider votre inscription. Nous avons tous les mois une cohorte. Par exemple, la prochaine formation se tiendra le 29 avril prochain. Et donc, en mai, on a une formation, etc. Donc, tous les mois, on a une formation. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Voici le processus, c'est aussi simple. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne le coût, les lieux de la formation? La formation se tient en présentiel et elle se tient au Capitol Hotel à la Riviera 2. Vous avez une formation sur une journée qui démarre de 8h30 jusqu'à 17h. Et nous allons voir durant cette formation la vitesse de lecture, la vitesse de compréhension et la technique de mémorisation. On a des pauses café, on a un déjeuner entre midi et deux, et plusieurs exercices concrets et pratiques qui vous permettent de savoir exactement ce que c'est que la lecture rapide et de sentir, un peu comme une odeur, de sentir les impacts de cette lecture rapide directement même pendant l'atelier et beaucoup plus tard à travers le coaching. Je voudrais profiter peut-être pour dérouler un tout petit peu ce que nous faisons après la formation au niveau du coaching. Allez-y. Donc, après la formation au niveau du coaching, il faut savoir que nous avons d'abord des défis hebdomadaires de lecture. Donc, nous allons faire un coaching sur 30 jours. Et chaque semaine, on a un défi de lecture que nous allons vous imposer. La première semaine, vous devrez lire 30 pages par jour en 15 minutes. Et on regarde les statistiques, on vous suit. Il y a une équipe derrière pour vous talonner, pour que vous puissiez accomplir votre devoir de lecture dans la journée. On vous met la pression parce que c'est important. La deuxième semaine, nous voyons donc l'objectif 45 pages à lire par jour en 15 minutes. La troisième semaine, vous allez lire 60 pages en 15 minutes. Et la quatrième semaine, vous allez lire 80 pages en 30 minutes. Et cela tous les jours. Et tout cela, on fait le point chaque fin de semaine. Et en plus de cela, vous avez ce qu'on appelle les bonus hebdomadaires. La première semaine, nous allons voir les techniques de prise de notes et nous allons travailler en profondeur la vision périphérique. Nous allons voir également la mémorisation des dates et des noms. C'est un véritable problème parfois. On n'arrive pas à retenir les dates et ça nous fait perdre du temps pendant la lecture. La deuxième semaine, nous allons voir la compréhension interne et la compréhension externe et travailler les techniques de lecture par fixation
On vous apprend à lire une ligne en une seconde, deux lignes en une seconde, trois lignes en une seconde, quatre lignes en une seconde. Donc, vous allez être capable de le faire. La troisième semaine, on va booster un peu plus la vitesse de compréhension et travailler sur les techniques de synthèse par genre littéraire. Et la quatrième semaine, on va travailler l'endurance avec la stratégie, puisque la lecture rapide, c'est également de la stratégie, et nous faisons un bilan de classification. Une fois qu'on finit cela, pour ceux qui sont sur la formule 200 000, on poursuit cette fois-ci en présentiel en les intégrant dans un club de lecture rapide, qui est notre club de lecture rapide Super Lecteur. Et dans ce club, nous retrouvons deux fois par mois et nous faisons de la lecture intégrale avec la lecture rapide. Nous présentons des discours pour ceux qui ont déjà achevé des livres, auront la possibilité de présenter des discours de synthèse sur ces livres-là. Et nous nous partageons des cartes heuristiques. Et de l'autre côté, à ces rencontres, nous avons d'autres bonus, tels que les techniques avancées de lecture rapide et leur application. Je sais que parfois, les gens ont vu des gens utiliser, par exemple, la technique de l'ondulation verticale. Alors, la technique de l'ondulation verticale, je prends ce petit livre-là, c'est que souvent, il y a des gens, quand ils lisent, ils font comme ça. Ils font comme ça. Ensuite, ils tournent la page. Ils font comme ça, ils font comme ça. Et souvent, on a l'impression que c'est faux, en fait, que c'est de la magie. Mais en réalité, ils lisent et ils comprennent ce qu'ils ont lu là, en ce moment-là. Et c'est des techniques avancées, telles que l'ondulation verticale, la technique des doubles marges, etc., que nous voyons avec ceux qui sont sur la formule 200 000. Et en ce moment, ils sont prêts à pouvoir donc participer à l'examen de lecture rapide qui se tient tous les 3 mois. Le prochain examen se tiendra le 6 mai prochain. Et à ces examens-là, lorsque vous avez validé la performance qu'il faut, on vous donne le fameux certificat d'aptitude qui se décline en 3 certificats. Vous avez le certificat bon lecteur, le certificat lecteur rapide et le tout dernier certificat qu'on appelle le certificat rouge, qui est le certificat support lecteur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont en Côte d'Ivoire. Et la dernière qui a obtenu ce certificat rouge, c'est elle qui est sur vos écrans. Elle a obtenu ce certificat au cours de l'examen qui s'est tenu en mars. Et nous avons aussi plusieurs autres personnes qui ont participé. Mais pour le moment, en termes de certificat super lecteur, il y a moi. Et puis, il y a cette dame qui est chef de service dans une grande entreprise de la place qui a cette certification. On a eu plusieurs personnes qui ont déjà participé à nos ateliers. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la 4e cohorte. Et vous voyez le monsieur en cravate rouge sur votre côté gauche. Lui, il s'appelle M. Tamané. Je le salue s'il est dans le public. Et lorsque nous étions à la 2e semaine du coaching, il avait fini de lire son livre de 1500 pages. Et je vous assure qu'il voulait même réaliser une fête chez lui à la maison parce que ça faisait 3 ans qu'il avait ce livre. Et il a fallu qu'il vienne à notre atelier pour qu'en 2 semaines d'application de nos techniques, il termine donc ce livre de 1500 pages. Donc, voici un peu présenter un peu nos différentes offres, monsieur l'animateur. J'espère que la dame qui a posé la question nous a bien entendu et qu'elle a aussi repéré notre page Facebook et qu'à partir de cette page Facebook, elle peut naturellement nous saisir. Alors, pour son inscription. C'est quoi votre page Facebook, s'il vous plaît? C'est Super Lecteur, tel que c'est écrit, Super Lecteur, avec le S majuscule et le L majuscule. Vous tombez sur la page Facebook. D'accord, merci infiniment. Alors, donc avis à tous ceux qui seraient intéressés par cette formation utile pour notre développement professionnel, le développement de notre leadership, le DTM Lancelet Diabaté et toute son équipe se tiennent à votre disposition. On continue avec les questions BPM. Alphonse Bosson, je veux savoir si vous pensez qu'il y a une corrélation entre la lecture rapide et le management de nos processus en entreprise. La principale corrélation entre la lecture rapide et le domaine professionnel se résume un peu à ce que nous avons vu plus haut. En réalité, ça va vous apporter des aptitudes qui vont avoir une incidence sur votre leadership. Donc, naturellement, dans le processus de management en entreprise, ça va servir
Parce que, comme le dit Jim Quick, les leaders sont des lecteurs. Donc, si vous êtes un lecteur rapide, ça veut dire que vous serez un leader chevronné, parce que vous aurez le temps de lire pas mal de livres. Donc, pour montrer la corrélation lecture rapide management des processus, c'est beaucoup plus au niveau du leadership, que ce soit au niveau du manager qui pratique la lecture rapide, qu'au niveau donc du travailleur qui lui également pratique la lecture rapide. Chacun y gagne pour son compte et ça sert à l'entreprise. D'accord, merci infiniment. Alors, je pense que on a plus de questions avec nos abonnés, mais moi j'ai une question, Monsieur Lassina Diabaté. À quelle fréquence devrait-on lire pour devenir efficace et pour profiter vraiment de la lecture? À quelle fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.? C'est une très belle question parce que en la matière, ce que nous disons en tant que super lecteur, c'est une personne qui lit au moins 2 ou 3 livres dans la semaine, c'est une personne qui a une bonne cadence. Maintenant, une personne qui lit ses 2 ou 3 livres dans la semaine, mais en lecture intégrale, en one shot, alors cette personne-là, elle est encore beaucoup plus enviable. Nous ne prenons pas la lecture par séquence. On prend un livre, par exemple, de 200 pages, on veut lire un chapitre aujourd'hui, un autre chapitre demain. Non, nous prenons qu'on trouve par exemple 1 heure, 2 fois 30 minutes, on prend le livre, on l'achève directement et en ce moment, on passe à un autre livre. Donc, si on veut prendre en termes de volume, celui qui est bon lecteur sera capable de lire au moins dans le mois 2 livres. Celui qui est lecteur rapide sera certainement capable de lire au moins par semaine 1 livre. Ou 2 livres, celui qui est super lecteur peut lire un peu plus de livres. Donc, il n'y a pas vraiment de normes en tant que telle. On est sur de la vitesse en tant que telle. Moi, particulièrement, en tant que super lecteur, je lis un livre tous les jours. Donc, vous imaginez un peu, je suis toujours, toutes les 2 semaines, en train d'aller à la librairie parce que et un livre de 400 pages, je suis capable de lire le livre de 400 pages en 1 heure. Donc, vous voyez que tout de suite, il y a une pénurie et on a envie, on a envie. Et je vous avoue que parfois, c'est un peu, on se dit, mais vraiment, c'est, voilà. Parfois, c'est pas facile parce que le budget concernant la librairie est très élevé. Mais en même temps, on est satisfait parce qu'on apprend beaucoup. Et on est capable de décoller sur pas mal de questions. Et je pense que ça contribue aussi à mon épanouissement et puis à ce développement-là et à cet esprit d'innovation, de créativité qui sert aussi mon entreprise. Donc, voici un peu la performance. Je suis très curieux, Monsieur Diabaté, de savoir comment est-ce que vous alliez vos occupations professionnelles et ce temps de lecture-là qui paraît incroyable. Comment est-ce que vous faites? Parce que vous travaillez tous les jours. À quel moment vous lisez ces livres-là tous les jours? Ouais. Alors, généralement, je lis très tôt le matin. Donc, le matin, j'ai la chance peut-être, en tant que musulman, de faire la prière très tôt le matin. Donc, juste après, il y a un temps. Et vous savez, en lecture rapide, il y a ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Donc, on revient un peu sur ces éléments-là de l'atelier. Ce sont des périodes dans la journée qui sont favorables à la lecture. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, parfois, ils lisent au mauvais moment. Donc, naturellement, malgré toutes les techniques, tu peux perdre en concentration. Donc, moi, je choisis le meilleur moment, c'est très tôt le matin, et je fais ma lecture intégrale. Je suis habitué à faire la lecture intégrale. Donc, je fais de la lecture intégrale, je termine mon livre, ensuite, je viens au boulot, et je m'occupe de tout ce qui concerne le travail. Et si le soir, j'ai un peu de force, je peux faire aussi la lecture intégrale. Et les week-ends, je fais aussi beaucoup de lectures. Donc, parfois, les week-ends, je peux lire 2 livres. Un livre le samedi et un autre le dimanche. Et généralement, les week-ends, je lis les romans. Parce qu'il ne faut pas aussi rester trop dans les livres de développement personnel. On a besoin aussi de puiser de la créativité dans la lecture des romans.
et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je rends aussi beaucoup hommage aux auteurs africains, aux livres qui ont été écrits par des auteurs et des autrices africaines, parce qu'il faut faire également la promotion de ces personnes-là. Et donc, je lis beaucoup de romans africains. Le dernier roman que j'ai lu, c'était La naissance maudite de mon frère qui se trouve dans la zone de Katiola. Donc, je lui fais un clin d'œil si il est connecté. D'accord. Merci infiniment. Alors, tous ces éléments de réponse-là sont précieux pour nous qui aspirons également à lire autant que vous pour développer davantage. Quoi, Giovanni Kofi pose la question suivante, monsieur Diabaté. Quelles sont les techniques pour faire le résumé des grands titres lorsqu'on lit un bouquin? Alors, la technique pour faire le résumé, ce sont les techniques de synthèse. Tout à l'heure, j'ai donné quelques pistes, mais si Adjumani veut que j'aille encore plus loin, je vais donner une autre piste un peu plus profonde. Allez-y, ça le fait. Dans votre lecture, il y a ce qu'on appelle le leadership du lecteur. La lecture rapide, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses dedans. Le leadership du lecteur, c'est sa capacité à prendre de la hauteur pendant qu'il est en train de lire. Vous voyez? Et il prend cette hauteur pour détecter dans le paragraphe qu'il est en train de lire l'idée, l'information clé que l'auteur veut lui communiquer. Donc, il y a cette capacité de prendre la hauteur, de détecter cette information clé et de la lier à d'autres informations pour en faire un bout de synthèse. Donc, il ne s'agit pas, au niveau de la lecture rapide, d'écrire à tout moment tout ce qu'on lit, mais c'est d'écrire exactement l'information clé que l'auteur veut qu'on retienne du passage que nous avons lu ou du paragraphe que nous avons lu. Souvent, il se trouve aussi que certaines personnes pensent qu'en lisant une, deux ou trois phrases, il y a quelque chose forcément qui se cache là comme information. Donc, ce qui fait que parfois, ils sont très attachés à essayer de trouver forcément dans ces trois lignes que ces personnes ont lues l'information clé. Ça crée de la lenteur. Parce qu'en réalité, le cerveau lui-même fonctionne beaucoup plus correctement quand il a un groupe de mots. Donc, quand vous lisez juste quelques mots que vous essayez de comprendre le sens de ces deux ou trois lignes, ce sera beaucoup plus compliqué pour le cerveau que lorsque vous lisez beaucoup plus de mots et dans ce lot ou ce paragraphe que vous avez lu là, vous allez voir que le cerveau se retrouve beaucoup plus aisément. Bon, il y a un exemple concret, hein, c'est que souvent vous êtes là dans votre vie quotidienne, il y a plusieurs informations qui circulent, vous ne voyez rien. Et puis un jour, il y a une seule information clé qui vient et puis vous dites « Ah, je comprends maintenant !» Vous voyez, non? Pour dire que une seule information, parfois on ne peut pas comprendre, mais il faut un groupe d'informations. Donc en travaillant cette technique, en travaillant le leadership du lecteur, en détectant les informations clés, on est capable d'avoir des résumés beaucoup plus fidèles. Et ensuite, ces résumés sont transcrits en mind map et ça entre dans le processus de mémorisation pour aller un peu plus loin jusqu'à la récupération. Donc, voici quelques exemples un peu plus concrets, M. Adjumani. Mais pour avoir encore plus, il faut vous inscrire à notre atelier. Je vous assure que vous serez agréablement surpris. Merci infiniment. Alors, nous approchons allègrement vers la fin de cet entretien et ces échanges de qualité avec M. Lansiné Diabaté. Et sur le thème de l'impact de la lecture rapide sur notre carrière professionnelle. Alors, BTM, on va vous donner l'occasion de nous faire un mot de conclusion et s'il vous plaît, réitérez encore une fois l'invitation à participer à vos ateliers de formation. Merci beaucoup. Nous aurons le samedi 29 avril prochain notre cohorte 4. Et cette cohorte permettra encore de travailler sur la lecture rapide. La lecture rapide est importante pour tout le monde, mais encore plus même pour les personnes qui sont dans le monde professionnel. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on a eu à nos ateliers des corporates et des personnes professionnelles, on a eu des banquiers, on a eu des magistrats, on a eu des chefs d'entreprise, on a eu des entrepreneurs, on a eu une panoplie
de belles personnes qui viennent se former parce qu'elles ont compris que la lecture rapide, c'est vraiment la chose qu'il faut aujourd'hui. Et vous savez que nous sommes dans une économie d'attention de nos jours. On parle d'économie d'attention. C'est que tout ce que vous écrivez est parfaitement épié. Et donc, celui qui sait écrire, c'est quelqu'un qui peut facilement se développer. Alors que pour bien écrire, il ne suffit pas d'écrire, mais il suffit aussi de lire la belle plume des auteurs et des autrices qui sont pertinents. Super Lecteur Côte d'Ivoire, c'est une page Facebook, Super Lecteur, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez vous inscrire. Et derrière, nous avons toute une équipe commerciale qui vous contactera pour valider votre inscription. Vous avez droit à une formation durant toute une journée, à 30 jours de coaching pour ceux qui sont sur la formule 100 000 et à plus pour ceux qui sont sur la formule de 200 000 parce qu'eux, ils intègrent directement notre club de lecture rapide Super Lecteur qui est un club spécial, un club atypique, un club où on vient et où on lit intégralement un livre avant d'en ressortir. Et croyez-moi, ce n'est pas un livre de 200 pages que nous avons toujours à l'ordre du jour. C'est minimum 380 voire 400 pages. Donc voici un peu l'environnement que je vous propose. On a besoin d'agilité, on a besoin de nous retransformer, de nous remodeler pour nous adapter aux réalités actuelles. Et la lecture rapide est un élément clé fondamental pour la réussite du salarié et pour la réussite dans le monde professionnel. Merci beaucoup en tout cas pour votre aimable écoute, monsieur l'animateur. Je vous redonne la parole et je vous remercie également pour votre bel office. Merci infiniment au formateur DTM Lanciné Diabaté. Vous avez à l'écran les contacts qui vous permettront, mesdames et messieurs, de rentrer en contact avec lui et son équipe. Ils sont disposés à vous recevoir et à vous donner toutes les informations détaillées utiles pour participer à leurs ateliers de formation. Monsieur l'ancien Diabaté, merci infiniment. Ça a été un webinaire de qualité. Et puis, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, d'aller vous abonner à la page Super Lecteur Côte d'Ivoire. Là-bas, vous aurez toutes les informations en temps réel, tout ce qui s'organise comme activité au niveau de cette structure. Merci à vous. N'oubliez pas également de vous abonner sur la page Facebook d'études.ci, où nous organisons très fréquemment des webinaires de ce genre-là, des webinaires de qualité de ce genre, et beaucoup d'autres formations professionnelles pour vous permettre d'être au top de votre aptitude, au top de votre capacité. Merci infiniment à tout le monde. Je pense qu'on a terminé. Et puis, n'hésitez pas à partager ce direct. Il sera là disponible sur la page Facebook de Lucarrière et sur la chaîne, la chaîne YouTube de Lucarrière. Et bon, voilà, bon week-end et puis bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Merci.